Bienvenue dans ce nouveau reportage. Aujourd'hui, je vous amène sur la Vélodyssée, un parcours de 1275 km à faire en vélo qui part de Roscoff en Bretagne jusqu'à Hendaye dans les Pyrénées-Atlantiques. Le défi sera de taille car je prévois ces 1275 km en 10 jours et je serai équipé de caméras embarquées pour vous faire vivre cette aventure de l'intérieur. Avant tout, il faut savoir que la Vélodyssée est la dénomination de la partie française de l'Eurovélo 1. L'Eurovélo 1 est un aménagement de pistes cyclables à l'échelle européenne de plus de 11 000 km qui relie le nord de la Norvège au Portugal. L'itinéraire traverse ainsi l'Europe de l'Ouest en passant successivement par 6 pays. La partie française commence à Roscoff et pour venir ici, j'ai dû démonter mon vélo pour le mettre dans une housse afin de pouvoir prendre le TGV jusqu'à Morlaix et ensuite un bus de Morlaix à Roscoff. Autant dire que c'est l'aventure avant l'aventure. Maintenant, je vais me reposer à l'hôtel des artistes, car demain à 7h, ce sera le début de l'aventure. Voilà, c'est parti pour l'aventure, il est 7h, donc nous allons traverser trois régions, la Bretagne, le Pays de la Loire et la Nouvelle-Aquitaine. Faut profiter du soleil parce que je pense que ça sera la seule fois où je le verrai sur les 10 jours. La météo s'annonce très mauvaise, surtout demain et après-demain. Grosse erreur de parcours, il y a un moment j'avais pas vu le balisage, enfin il n'y avait pas de balisage, il y avait une pancarte avec le 1 mais sauf que c'était d'autres sentiers, donc ça m'a envoyé dans une mauvaise direction, j'ai perdu une heure et là j'essaye de retrouver le chemin. Voilà, bah ça fait partie des aléas. Donc ça c'est le balisage qu'on suit, véloroute 1, la Vélodyssée. C'est bon, le sentier est retrouvé. Juste pour info, là on était dans le département du Finistère et maintenant on va passer dans le département des Côtes d'Armor. Il est à 19h et je sais pas si le camping ferme pas à 19h ou 20h justement. Là, ça sent pas bon. Voilà, je suis au camping Bellevue de Mur de Bretagne. Donc une amie avait appelé pour savoir s'ils étaient ouverts jusqu'à 20h et ils fermaient à 19h et ils m'ont attendu.
Je suis arrivé à 20h. Donc merci à eux. Et en plus de ça, ils m'ont offert un chalet pour le prix d'un emplacement de tente. Parce que cette nuit, ils annoncent une grosse tempête. Hein, et pour ma sécurité, ils ont préféré m'offrir justement ce chalet. Donc j'en suis à 142 km effectués aujourd'hui. Plus beaucoup de kilomètres de détour dû à ma grosse erreur. Et mon erreur, bah, c'est que j'ai pas regardé l'application, le site internet pour vérifier ma localisation GPS pour voir si j'étais bien sur le bon sentier. Je m'en suis aperçu beaucoup trop tard. Bon, je vous dis une bonne soirée et à demain. J'ai pas attendu le réveil. Et du coup, il est déjà 7h15. Donc je suis à la bourre Compère. Il a fait une tempête toute la nuit, j'ai rien dormi. Il y a tous les trucs qui sont tombés sur la cabane. Je sais pas si c'est des branches ou quoi. C'est bam bam bam. Oh là là. J'ai rien dormi. Il n'y a que sur le matin où ça s'est calmé, j'ai réussi à dormir. Du coup, j'ai pas entendu le réveil. Voilà, maintenant on va traverser le dernier département de la région Bretagne qui est le Morbihan. C'est parti! Ça, c'est la tempête qui a fait carnage. Bon, c'est comme ça. Les branches, les branches, les branches. Bon, si en plus il y a des obstacles, c'est un peu galère. Le poids du sac derrière, c'est chaud. Hein. Je rentre dans le village pour voir si je trouve pas un truc à manger, une boulangerie ou autre. La tempête a fait carnage. Hein. C'est très très compliqué. Obligé de passer dans une prairie pour éviter tous les arbres cassés. Ah, je vous dis pas la misère. J'avance pas quoi. Oh putain. Là, je suis arrivé au camping de Pinfaux et sous la pluie. Et le gérant m'a offert un bon prix sur un bungalow, donc j'ai dit oui. Et il m'a même offert une entrecôte frite. Voilà, ça m'attend. Il est venu me l'apporter là à l'instant pendant que je prenais ma douche. Franchement, au top.
Encore une fois, un super accueil, des personnes généreuses. Et voilà. Donc maintenant, ça va être compliqué pour la suite, mais je reste motivé. Il est 5h15. Donc, j'entendais qu'il pleuvait plus. Donc, du coup, je me suis dit qu'il fallait que je décolle tôt. Parce qu'aujourd'hui, ils annoncent beaucoup de pluie. Et si je peux profiter d'un moment d'accalmie, j'en profite. Parce que faire du vélo sous la pluie toute la journée, ça augmente de deux fois la difficulté, quoi. Surtout quand il y a un vent. Et ils annoncent du vent en allant sur Nantes en plus. Voilà, je suis à Redon. Maintenant, on va quitter la Bretagne pour aller dans la région du Pays de la Loire. Et la première traversée de cette région, ce sera le département de la Loire-Atlantique. Voilà, bien arrivé à Nantes. Donc, je suis à l'hôtel Mercure, hébergé dans une chambre d'artiste d'Elsa Tomkowak. Et je vais vous faire une petite visite de la chambre parce qu'elle est vraiment sympa. Ici, ce qui fait office de salon. Okay, le design est vraiment sympa. Et ici, la chambre, une très belle chambre. Donc, l'hôtel Mercure, situé au centre-ville de Nantes. Et maintenant, c'est repos bien mérité et je vous dis bonne nuit. Voilà, départ 6h40. Donc là, je croise tous ceux qui sortent de boîte de nuit et qui sont fracassés et complètement bourrés. Voilà. Et c'est parti pour une nouvelle aventure. Petite pause, je viens de me faire une montée. Alors faut pas croire que c'est plat, hein. Je filme pas beaucoup les montées, mais en fait il y a beaucoup de faux plats et parfois de petites montées assez denses mais courtes, mais avec les sacoches derrière, ben forcément ça tire.
Alors ici on a la Loire et là on a l'océan Atlantique. Alors à partir de maintenant, nous restons dans le Pays de la Loire, mais nous allons passer dans le département de la Vendée. Donc on va traverser un nouveau département. C'est parti. Oh le vent, j'en peux plus. Vent de face. Je vais plus vite en marchant à côté du vélo. Moi, je suis allé jusqu'au port Les Brochets, difficilement, puisque j'avançais pas plus que quelqu'un qui marche à côté du vélo, limite. Donc, limite, je suis descendu du vélo pour marcher à côté. Un vent de face phénoménal, je n'arrivais pas à avancer. Et je ne peux pas continuer dans ces conditions. Ça faisait déjà 1h30 que je bataillais contre le vent. Et au port, j'ai rechargé en eau. Je leur ai demandé où c'est qu'il y a un endroit où je pourrais m'abriter pour planter ma tente. Et je suis revenu 1 km en arrière pour planter ma tente dans un endroit plus ou moins abrité. Voilà, j'espère que la nuit sera bonne. Je vais vous faire voir la vue qu'il y a derrière la digue par rapport à la tente. J'ai quasiment pas dormi, ça souffle à bloc, mais le vent a changé de direction, du coup la tente n'est plus du tout à l'abri. Par contre, ce qui veut dire que logiquement j'aurai le vent dans le dos. Donc on va voir ça. Il est 5h40, il faut toujours en balle, je sais pas comment je vais faire. Là on retrouve le port Les Brochets. Et c'est ici où je suis allé chercher à boire. Sur le parcours, il y a un endroit pour gonfler ses pneus. Donc là, je vais faire un petit point sur la pression de mes pneus. C'est de la bombe! J'ai le vent dans le dos!
voilà, arrivé à Jarre-sur-Mer, donc chez mon père qui m'accueille. Voilà, donc mi-parcours avec mon père que je retrouve. 650 km parcourus, ce qui représente environ la moitié, plus de la moitié du parcours total jusqu'à Hendaye. Donc il me reste 5 jours et dans 5 jours je suis à Hendaye si tout se passe bien. Et on croise les doigts pour que la météo soit bonne. Maintenant, ça va être une grosse nuit de repos. Et demain, normalement, je devrais loger à Rochefort. h 40, départ. Accompagné de mon père, qui m'accompagne un petit bout. Voilà, je suis arrivé à la tranche sur mer, il y avait une déviation, alors j'ai encore fait des détours. Il t'indique une déviation et après ils mettent plus de panneaux. Donc voilà, c'est comme d'hab, hein, c'est compliqué. Donc l'intérêt d'aller sur le site La Vélodyssée pour voir l'itinéraire, zoomer sur la carte, mettre notre position GPS pour retrouver le sentier. Nous allons quitter la région des Pays de la Loire pour aller en Nouvelle-Aquitaine et on va traverser le département Charente-Maritime. Donc je suis avec Sauveur et Marie, donc, que j'ai rencontré à La Rochelle, et qui font une partie de la Vélodyssée jusqu'à Nantes, dans le sens de sud de Nord, et donc avec un vent de face, ils ont beaucoup de chance. Comment ça se passe justement pour l'instant? Un peu difficile, il faut l'avouer, on rigole pas. Si on met en plus la pluie, alors là, ça devient la galère. Pareil. Oui, j'ai le même avis que lui. J'ai les pieds. On a trouvé une zone où il y avait énormément d'eau. J'ai pas osé le passer avec le vélo et je l'ai fait à pied. J'en avais jusqu'aux chevilles. Et là, j'ai bien froid. Voilà. Mais je garderai quand même un beau souvenir. Ah, très bien. Bonjour, ça va? T'as ta Vélodyssée? Non. Pareil. Voilà, bien arrivé à Rochefort, donc je me suis mis au camping municipal pour planter la tente. Et maintenant, je vais aller me faire une petite balade dans le centre-ville et ensuite un bon resto pour une bonne nuit de sommeil et entamer la 7e journée demain. Départ 6h40 du camping. C'est parti pour une nouvelle journée. Tout, 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 tout,
tout. De département, nous allons traverser maintenant la Gironde et d'ailleurs on va aussi traverser le fleuve de la Gironde avec le ferry donc de départ au Royan. Carnage. Pas passé, hein. Je marche à côté du vélo parce que impossible de rouler là. La route elle est entièrement couverte de sable. Le soleil est là, c'est fabuleux. J'aurais eu toutes les météos possibles, hormis la neige. Voilà pour aujourd'hui, je me suis arrêté à Lacanau, camping municipal. Et demain, ça sera une journée plus courte, de 105 km, il me semble, jusqu'à Biscarrosse, où j'ai réservé un hôtel longtemps à l'avance, justement, pour me fixer des objectifs pour tenir les 10 jours. <musique> 6h45, c'est reparti pour une nouvelle journée. Voilà, il commence à faire jour. On va aller voir la vue qu'on a.
Je me suis arrêté à Arès pour prendre un petit déjeuner. Et là, je repars sur Arcachon. 1000 km parcourus. Donc, à ce stade, je suis très fier de moi. Parce qu'il faut savoir que c'est ma 8e sortie vélo et la première fois que je roule avec des sacoches derrière. Donc, pour l'instant, très satisfait. Et il reste plus que 275 km pour finir ce défi. Voilà, maintenant c'est les dunes du Pila, donc j'ai mis le vélo un peu plus bas et puis on va aller voir un peu la vue qu'il y a. Alors je vais quitter la Gironde pour traverser un nouveau département, le département des Landes. Donc comme vous l'avez vu, vous pouvez choisir camping, hôtel ou de dormir chez l'habitant. Donc tous les modes s'offrent à vous sur la Vélodyssée. Et ensuite, vous pouvez aussi le faire en 10 jours, en 20 jours, en 30 jours. Enfin, à chacun sa durée, à chacun son rythme. Et avec le site web lavélodyssée.com, vous avez accès à toutes les étapes, donc les 38 étapes qu'on retrouve sur le site. Par exemple, demain, on va faire la première étape sera Biscarrosse Plage Parentis sans borne. Voilà, ensuite vous cliquez carte et là vous avez le détail de la carte. Après, vous pouvez mettre votre position pour voir sur le parcours si vous êtes toujours bon. Et ici, on a accès au camping, aux hôtels qui sont. Qui ont un accueil vélo. Voilà. Par exemple, ici, moi, je suis à l'hôtel de Biscarrosse. Je clique ici, hôtel Les Jardins de l'Océan. Si je veux plus d'infos sur l'hôtel, on clique dessus. Et j'ai le numéro, l'email, l'adresse. Et je peux même réserver en ligne. Faites attention au camping en cette période, car il y en a beaucoup qui sont fermés. Je me suis fait avoir. Donc j'opte parfois pour les hôtels. Allez, avant-dernier jour, vu qu'ils annoncent pas de pluie, je vais essayer d'avancer un maximum parce que demain apparemment ils annoncent de la pluie. Donc un maximum de kilomètres. À Biscarrosse Bourg. Je me suis trompé et j'ai perdu le balisage et il y a un papy qui allait chercher son pain en vélo qui m'a ramené sur la piste cyclable. C'est top. We'll be right back.
Là j'ai une crevaison, donc heureusement j'ai pris tout ce qu'il faut pour réparer. Donc je vais me mettre dans un coin et je vais réparer ça. Donc voilà, bien arrivé à l'hôtel Mercure de centre de Bayonne. Comme vous l'avez vu, grosse journée aujourd'hui, plus de 160 km. Mais au final, mon corps s'est habitué, plus aucune douleur. Donc je l'ai fait, on va dire, sans grande difficulté. Donc vous pouvez faire la Vélodyssée en 10 jours, en 20 jours, en 30 jours, à chacun son rythme. Moi, je l'ai fait de version sportive. Il me reste 50 km à faire demain pour rejoindre Hendaye. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. J'ai perdu à nouveau le balisage, alors j'ai décidé de suivre le bord de mer. Voilà, donc c'est pas plus mal. J'ai retrouvé le balisage. Cette dernière partie est très difficile. Ça fait que monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Fin du reportage, donc j'espère que ça vous a plu. La météo, elle était ce qu'elle était. Ça fait aussi partie de l'aventure. Pour le balisage, comme vous avez vu, il faut faire très attention. N'hésitez pas à regarder régulièrement le site La Vélodyssée pour voir où vous êtes sur le parcours, pour voir si vous avez fait une éventuelle erreur. Je ferai une vidéo bonus vous montrant un peu mon retour d'expérience. Et je vais clôturer ce reportage en vous disant une phrase de mon ami Abdé. Nous sommes des personnes ordinaires dans des aventures extraordinaires. À bientôt pour de nouvelles aventures.